À partir de novembre-décembre en Guyane, c'est le début de la grosse saison des pluies. Ça crée un phénomène naturel spectaculaire, les explosives breathing. Les premières grosses pluies vont remplir les mares forestières en seulement quelques jours. Ça va rassembler des milliers de grenouilles qui vont avoir qu'un seul objectif en tête. C'est une occasion en or pour les passionnés de grenouilles qui leur permet d'observer des espèces qui ne sont visibles qu'à ce moment-là de l'année. Ces rassemblements massifs ne vont durer que 2-3 soirs. Certaines espèces ne sont même là que quelques heures seulement. Le reste de l'année, c'est ceinture, pas de sexe, rien, walou. Pourquoi ? Pourquoi tout en même temps ? Pourquoi dans certaines mares et pas d'autres ? Pourquoi sur un laps de temps aussi court ? Qu'est-ce qui déclenche ça ? Nous allons répondre à toutes ces questions ensemble. C'est vrai ? Je te le promets. En saison sèche, les mares explosive breeding sont vides. Pas d'eau, presque pas de vie et pas beaucoup de bruit. Et à partir de novembre-décembre, Guyane, c'est le déluge ! Les mares commencent à se remplir et les premiers petits batraciens du coin migrent vers l'eau. On commence alors à entendre ce bruit. C'est le chant du kiasmok. Le kiasmok, c'est ça. Une petite grenouille qui passe l'année cachée sous des feuilles mortes à attendre que les mares se remplissent pour enfin se reproduire. Il y a même des grenouilles encore plus brillantes comme la Trachycéphale coriace. Le son grave de son chant va s'entendre de loin et attirer d'autres espèces des alentours. Comme un concert parfaitement orchestré, les artistes font leur apparition les uns après les autres. Ça y est, la pluie est tombée à fond, les kiasmokrylis chantent, les explosives breeding peuvent commencer. Et là, on assiste à un florilège de stratégies de reproduction. Déjà en soi, les explosives breeding, c'est une stratégie de reproduction. Une méthode ingénieuse pour lutter contre les ennemis des œufs et des têtards, les prédateurs aquatiques. La majorité des grenouilles et des amphibiens pondent des œufs sans coquille dure, qui peuvent donc se dessécher très rapidement en l'absence d'eau. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de pondre soit dans des zones humides, soit dans l'eau directement. Et à l'éclosion, les têtards, première étape de la métamorphose, sont des larves aquatiques, incapables de se déplacer hors de l'eau. Et dans l'eau, pour eux, c'est le Mordor. Des poissons, des anguilles, des insectes carnivores, tels que la redoutable larve de libellule. Mais si tu trouves une mare temporaire qui n'est en aucune partie de l'année, c'est le jackpot. Vu que la mare est sèche en dehors de la saison des pluies, il y a moins de prédateurs aquatiques. Petit poisson, si tu n'as pas d'eau, tu peux pas nager. Le nombre de prédateurs est considérablement réduit, mais pas inexistant. Les saintbranches, que l'on désigne aussi sous le terme d'anguilles, peuvent se déplacer hors de l'eau pour rejoindre des zones plus favorables. Les tortues d'eau douce aussi connaissent les bons coins à têtards. Dans certaines mares, elles sont là par dizaines à nager dans tous les sens. Il y a aussi des trucs plus balèzes, comme ce gros caïman gris. Dans les arbres, les serpents aussi sont là, bien décidés à bouffer de la grenouille à volonté. Pour protéger les œufs des prédateurs, certaines grenouilles ont des méthodes impressionnantes. Ça, c'est la Phyllomeduse tigrine. On la reconnaît grâce à ses flancs tigrés. Lorsque le mâle accoste la femelle, celle-ci se trimballe son petit mec sur le dos jusqu'à y trouver le bon spot pour y déposer ses œufs. Elle va choisir les feuilles d'une branche qui surplombe la mare. Avec ses pattes arrière, la femelle va plier les feuilles sur son cloaque. Puis, elle va pondre dans les feuilles pliées en même temps que le mâle arrose de sa semence pour féconder le tout. On se retrouve alors avec une espèce de tacos sauce blanche. Oh, t'es vraiment dégueu. Bref, les œufs vont se développer peinards dans un tas de feuilles, puis à l'éclosion, les têtards vont faire une chute vertigineuse, la tête la première dans la mare. Ils vont alors se déplacer en bande et ainsi se protéger au mieux de la prédation. D'autres espèces se contentent de pondre en masse, des milliers d'œufs. Les prédateurs finissent par être saturés et dans le lot, de nombreux têtards vont survivre et se développer. Il y a la technique de l'île flottante aussi. Ah oui, le leptodactyle, c'est cette grenouille. Elle va battre ses œufs avec ses pattes arrière au moment de la ponte, pour en faire une mousse qui va flotter à la surface de l'eau et dans laquelle les têtards seront protégés des attaques. Je crois que maintenant, vous avez les bases. On vous laisse profiter du spectacle.
Petit à petit, le bruit commence à diminuer. Les espèces sont de moins en moins diversifiées. Chacun retourne dans son arbre ou sa cachette. Les adultes sont partis. Il ne reste plus que les têtards à la merci du monde sauvage. Pas ouf en termes d'éducation. Maintenant, c'est sous l'eau que ça se passe. Ensuite, petit étard deviendra grande grenouille. Il pourra attendre les grosses pluies, aller à la partouze, puis abandonner ses gosses. C'est beau la nature. Ouais.